Le domaine en question se trouve dans le district de Purfleet et s'appelle Carfax, sans doute une forme corrompue du vieux français « quatre faces », étant donné que la maison tourne chacun de ses côtés en direction d'un point cardinal. La maison est fort grande et remonterait au Moyen-Âge. On jurerait un ancien moulin. Quelques rares maisons se dressent à proximité, dont une assez grande et de construction récente. Elle sert d'asile d'aliénés et est dirigée par le docteur Seward. Ouf. Heureusement que la lumière me protège.
Les grandes fêtes me manquent. Que de convives ont tenté de traverser l'échiquier, combien ont péri empalés après que le sol se soit dérobé sous leurs pieds. Quel grand amusement cela fut. Aujourd'hui, le système n'a pas fonctionné depuis longtemps, mais le piège est toujours là. Seul le bon placement des pièces donne le chemin pour atteindre l'autre côté. Les échecs sont un jeu qui se termine avec la mise à mort du roi, à moins que le pion ne meure avant, ce qui est bien plus amusant. Carfax me procure de grandes satisfactions et un refuge sûr pour boire le sang de mes victimes. C'est pour cela que je laisse ma garde noire surveiller la maison. Comme cela, aucun intrus ne serait allé au-delà qu'il n'est permis. Par contre, ces humains sont décidément bien futiles. Le mécanisme secret que j'ai trouvé ici est si peu perfectionné qu'un enfant de 4 ans le résoudrait en quelques minutes. Je n'ai que mépris pour cette race si puérile. Monsieur Jonathan, entrez donc. Cet endroit me donne toujours la chair de poule. Oh, vous avez raison. Et si je peux me permettre un conseil, évitez d'entrer dans cette salle quand je ne suis pas là. Ils peuvent être très dangereux. Et je sais de quoi je parle. Maintenant, je vous laisse. Le docteur Seward vous attend dans son bureau. Jonathan, enfin. Nous étions si inquiets. Je suis là, tout va bien. Alors, qu'as-tu découvert ? Carfax n'est pas aussi abandonné qu'on aurait pu le croire. Je vois ce que tu veux dire. Moi-même, j'ai remarqué plusieurs faits troublants depuis quelque temps. Tout cela devient très préoccupant. Est-ce que le Styx évoque quelque chose pour vous ? C'est le fleuve des enfers dans la mythologie grecque, mais il me semble qu'une salle de spectacle à Londres s'appelle ainsi, n'est-ce pas ? En fait, c'est un nouveau lieu à la mode, un cinématographe qui projette des films d'horreur. Il y a un mystère entourant l'identité de son propriétaire, mais après avoir mené mon enquête sur place, je n'ai rien trouvé de suspect. Détrompe-toi. J'ai trouvé des preuves à Carfax comme quoi Dracula serait le maître du Styx. Mon Dieu ! J'ai lu que tout Londres s'y précipitait. C'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer, mais il est peu probable que le Styx soit notre cible principale.
Pour vaincre Dracula définitivement, nous devons trouver sa tanière et frapper au cœur. As-tu trouvé des informations concernant l'anneau que j'ai ramené ? J'ai pu reconstruire son histoire grâce à Mina qui a retranscrit à la machine des rouleaux de cire enregistrés par un ami historien suite à ma requête. Mes classes fréquentes ne me laissent que très peu de latitude pour travailler. Et Seward insistait pour que je me repose. Mais je voulais vous aider. Et qu'avez-vous trouvé ? La dernière trace connue de l'anneau remonte à 1442. Il aurait appartenu à Radu, prince roumain et demi-frère de Dracula, semble-t-il. Mais il y a plus intéressant. Il semblerait que l'anneau soit incomplet. En effet, dans les gravures décrites, l'anneau est représenté avec une sorte de diamant en son centre. Selon les documents de mon ami, cette pierre aurait la vertu de contrebalancer le côté maléfique de l'anneau. Nous n'en savons pas plus, mais nul doute que Dracula mettra tout en œuvre pour le récupérer. Je dois avouer que je ne sais plus quoi faire. Mina, si vous n'êtes pas trop lasse, peut-être pourrions-nous de nouveau essayer l'hypnose. Je suis prête à tout, plutôt que de subir éternellement le joug de Dracula. Allons-y. Tes yeux se ferment. Ton esprit se libère. Que vois-tu ? Je vois un jardin de pierre. Une ombre qui marche. Viens me chercher. J'entends des voix qui me rendent folle. Aidez-moi ! Mina, tu t'endors maintenant. Dors. Dors. Elle décrit la même scène à chaque hypnose. Je crois que le jardin de pierre n'est autre que le cimetière de Highgate. Highgate, dis-tu ? Je peux bien te l'avouer maintenant que Mina est assoupie. Ma visite à Carfax a failli me coûter la vie. Mais un dénommé Peabody a eu moins de chance que moi. J'ai retrouvé son cadavre. Il semble qu'il travaillait à Highgate. Peabody est mort ? Il enquêtait pour moi. Il disait avoir observé d'étranges phénomènes depuis un caveau orné d'un loup en pierre. Il est plus que probable que le cimetière soit l'endroit où se trouve le repère secret de Dracula. Prends cette clé et rends-toi là-bas par les égouts. Ce sera plus prudent. Moi, je reste auprès de Mina.